immédiatement à notre jeune sœur, qui se parle aujourd'hui, qui est en train de quémander, la nationalité française sur RMC, dans les grandes gueules. Ça me rappelle encore à ce même monsieur qui l'a fait venir, qu'on appelle Serge Anango. Ça me rappelle encore à ce monsieur qui, à un moment, se positionnait comme l'un des concepteurs de la basse, qui se prend pour l'ingénieur, le seul ingénieur africain que l'Europe a eu, qui gagne 15 000 euros, et qui se flatte d'afficher son salaire, ses relevés de comptes et les différents virements qu'il a reçus de ses différentes sociétés, et qu'il est propriétaire, multipropriétaire des immeubles, des maisons en France, et il est le seul ingénieur africain en Europe à gagner 15 000 euros. Voilà donc ce monsieur, ou que je dis encore, qui est venu dans cette résistance avec un intérêt bien calculé. J'ai quand même souvenance que c'est ce même monsieur qui récemment est allé demander pardon à l'ambassade du Cameroun, à monsieur l'ambassadeur du Cameroun. J'ai encore souvenance que c'est ce même monsieur qui, pendant la carte des ambassades, faisait le plus de vidéos, parlait le plus. C'est encore le même monsieur qui est allé demander pardon à l'ambassade du Cameroun. C'est encore le même monsieur de ses origines de la Ménois, parce qu'il est temps, il faut le préciser. C'est encore ce même monsieur originaire de la Ménois qui refuse, qui insulte ses parents, renie ses parents en disant qu'on s'est trompé en l'eau naissant chez les Bamileke. C'est ce même monsieur qui renie les Camerounais en disant que les Camerounais sont sales. C'est ce même monsieur qui renie surtout sa tribu en disant qu'il est Douala, en se faisant passer pour un gars Douala. Et des fois, pour un gars Ekan, mais tout sauf Bamileke. Voilà donc ce monsieur qui a ramené cette jeune sœur, qui à force de Western Union, qu'elle défend aujourd'hui, dont elle est contre aujourd'hui, c'est ce même monsieur à force de Western Union qui l'envoyait à cette jeune fille de Stella moins 4, qui est aujourd'hui conitrice à, MRC, à RMC Radio. C'est cette jeune dame qui combat toute aide à l'Afrique, de la diaspora vis-à-vis de l'Afrique, en traitant les Africains de